On va à présent à Porto-Novo où il y a eu la sortie officielle ce samedi du cercle des enseignants engagés. Nous vous invitons à suivre un extrait donc du message de paix délivré par les membres du dit cercle à l'endroit de leurs collègues et acteurs politiques pour une élection pacifique. Chers compatriotes, depuis quelques mois, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, ont du mal à accorder leur violon sur le processus électoral en cours. On note les constats récurrents ci-après. Le refus de certains partis et acteurs politiques de se conformer aux exigences de la Constitution et des tests électoraux en vigueur. Des messages attentatoires à la paix et à la cohésion nationale. L'incitation à la violence et la désobéissance sur les réseaux sociaux et autres médias. Cette situation, entretenue par une partie de la classe politique nationale, n'est pas de nature à garantir la paix et la quiétude aux paisibles citoyens béninois. C'est pour cela que l'Assemblée générale du cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon Talata invite tout le peuple béninois, les enseignants, les enseignantes en particulier, à observer pendant toute la période électorale des comportements responsables pouvant contribuer à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Exhorte tous les acteurs politiques à prendre de la hauteur afin de préserver notre démocratie. Vive le Bénin, nous vous remercions.